grand plaisir qu'on se rencontre aujourd'hui pour la soutenance de la thèse de C. Mohamed Talal relative au marché financier islamique et risque de spéculation devant un jury composé d'éminents collègues que je profite de l'occasion pour les remercier vivement pour tout le temps qu'ils ont réservé. D'abord pour la lecture et la rédaction du rapport de cette thèse. On sait qu'une thèse, c'est 3 à 4 mois, et si on est dans une conjoncture un petit peu difficile, en termes d'examen, en termes de concours de master, et je les remercie vivement pour tout le temps qu'ils ont réservé, et ensuite, siéger au niveau de cette soutenance. Je nomme en l'occasion, c'est Omar Ktani, que je considère comme étant mon professeur éminemment respecté, que je peux même dire que je lui réserve une place de choix dans mon esprit et mon âme. Et deuxième chose, c'est Abdelrazak Mzien, un collègue de renommée dans la spécialité aussi de la finance alternative. Troisième point, mon cher ami, collègue on se connaît depuis un quart de siècle, c'est Mohamed Kharis, qui est le chef de notre labo. Et en fin de compte, ma bien-aimée sœur, Oubal Khadija, spécialiste en finance en général, et dans les finances de marché en particulier. Monsieur Sétalal, vous avez, disons, comme il est de coutume, 20 à 30 minutes pour défendre votre thèse. Et après, on va voir les opinions des uns et des autres, des membres du jury. À vous la parole. Monsieur le Président, messieurs les membres du jury, chers professeurs, chers collègues, tout d'abord, je vous remercie pour me donner l'occasion de soutenir cette thèse aujourd'hui. Et c'est avec un immense plaisir que je vais donc vous présenter le sujet qui a guidé ma recherche, qui est les marchés financiers islamiques et le risque de spéculation. En termes de plan, cette recherche, cette soutenance s'axera sur 4 éléments. D'abord, une introduction avec une description du contexte, discussion de la méthodologie et de la démarche choisie, une revue de littérature et les analyses qui ont suivi, pour arriver enfin aux principaux résultats et conclusions. En termes d'introduction, je dirais que cette recherche est née ou a émergé avec le questionnement qui a suivi une lecture assez intensive des ouvrages liés à la finance islamique, dans lesquels on trouvait souvent que la spéculation est quelque chose d'exclu en finance islamique, voire un interdit, voire des enquêtes empiriques qui prouvent les unes après les autres que les marchés financiers islamiques ne sont pas impactés par la spéculation. L'objet ici était de questionner ces assertions, bien souvent avancées comme étant des principes assez fluides et sans ambiguïté, et pour voir est-ce que scientifiquement et avec des critères objectifs, on peut les questionner. Donc nous avons fait face à deux concepts et deux contextes. Les deux concepts sont très larges. Tout d'abord, la spéculation, c'est un concept dans lequel on a une ambiguïté latente jusqu'à aujourd'hui. Comme je l'ai évoqué, Walter Bagehot disait en 1873 déjà, lui qui était économiste, il disait que nous avons déjà trop écrit sur la spéculation, trop pour que l'esprit le plus brillant même puisse s'en faire une idée claire. C'était en 1873. Aujourd'hui, on a encore plus écrit et la question n'est toujours pas claire. Et nous avons une redondance des crises avec lesquelles les économistes se posent toujours la question et le grand public se pose la question, est-ce que ces économistes et ces financiers n'ont pas toujours trouvé de solution à ces bulles spéculatives et ces cracks? La finance islamique, elle, est un concept aussi qui est renaissant, mais fragmenté et manquant de formalisation et souvent dans les publications, les ouvrages, imbibé d'un petit peu d'idéologie. Nous avons donc 7 objectifs majeurs qui sous-tendent cette recherche. Ces objectifs, donc, le premier sera de formaliser une vision systémique de l'économie en islam. Le second sera d'esquisser une définition plus exhaustive de la spéculation. Ensuite, identifier les principaux facteurs de cette spéculation, les confronter aux principes théoriques de la finance islamique. Ensuite, catégoriser puis hiérarchiser les facteurs de la spéculation pour construire un baromètre multifactoriel d'évaluation du risque spéculatif. Et enfin, vérifier la manifestation des facteurs
de la spéculation dans les pratiques actuelles des marchés financiers islamiques. La construction de notre outil phare a été précédée de 6 outils centraux. D'abord, une esquisse de théorie du risque pour le système économique islamique, une formalisation du système économique islamique, une esquisse de définition pour la spéculation, une classification des différentes théories de la spéculation, une hiérarchisation des facteurs et un arbre distinctif de la spéculation pour arriver à notre baromètre. Je tiens à signaler tout de suite que cette soutenance sera ponctuée d'un certain nombre de schémas assez chargés. Le but n'est pas de lire le contenu de ces schémas, mais plutôt de visualiser ces schémas en tant qu'étape pour comprendre le cheminement du raisonnement. Une fois le baromètre obtenu, nous sommes passés à l'analyse. D'abord, l'analyse paramétrique des produits de l'ingénierie financière islamique, la projection sur certains marchés financiers islamiques, l'analyse d'une dizaine de bilans d'institutions financières islamiques, la comparaison de ces bilans, la projection de notre baromètre sur les principaux cadres, pour ensuite arriver au final, c'est-à-dire notre baromètre synthétique comparatif des différentes projections du baromètre. Alors, en termes de méthodologie, nous avons choisi une cartographie tout d'abord tout au long de la thèse. Vous l'aurez remarqué, à chaque chapitre, nous remettions cette cartographie. Le but était simplement de permettre au lecteur de pouvoir se retrouver dans cette recherche à travers 5 étapes majeures. D'abord, en premier bloc, le cadrage épistémologique des concepts et des théories. Ensuite, l'identification des principaux facteurs de la spéculation. Puis la confrontation de ces facteurs aux principes de la finance islamique pour voir si cette finance islamique est théoriquement résiliente. Ensuite, la construction de notre baromètre et l'enquête empirique qui a permis de classifier ces facteurs pour ensuite les confronter aux pratiques actuelles des marchés financiers islamiques. Alors, tout au long de la soutenance, je dirais les pratiques actuelles des marchés financiers islamiques parce que des marchés financiers islamiques complets, intégrés et aboutis n'existent tout simplement pas aujourd'hui. Donc, le but de la recherche est un petit peu prospectif. Nous avons des clusters, des sous-systèmes des marchés financiers islamiques, des compartiments. Notre démarche générale est hypothético-déductive falsificatrice. Nous partons d'observations et de questionnements pour élaborer une hypothèse, déduire des prédictions, définir des expériences qui permettront de tester ces prédictions, valider ou invalider ces prédictions par l'expérience et donc l'enquête empirique, et enfin confirmer ou infirmer l'hypothèse qui devient théorique. Pourquoi la posture hypothético-déductive falsificatrice? Tout simplement parce qu'il est compliqué de prouver que les 24 facteurs ne se manifestent pas dans un marché. Il est beaucoup plus aisé de prouver que certains facteurs se manifestent. Donc, comme pour la CPP, la concurrence pure et parfaite, au lieu de s'acharner à démontrer que les 5 composantes sont là, on démontre qu'une seule n'est pas là pour dire que le marché n'est pas pur et parfait. Ensuite, nous avons une démarche spécifique qui est post-positiviste avec 3 élaborations. Tout d'abord, notre cas général qui est notre définition référentielle conceptuelle. Un idéal type, notion weberienne, qui permet de confronter le type idéal qui est le marché financier islamique exempt de spéculation aux différents types qui sont le type moyen, le marché actuel. Et enfin, un instrument de mesure, le baromètre d'évaluation du risque spéculatif. Notre question centrale, dans quelle mesure existe-t-il un risque de spéculation pour les marchés financiers islamiques, a été déclinée en plusieurs questions spécifiques. D'abord, l'économie islamique est-elle un système? Ensuite, comment peut-on didactiquement définir la spéculation? Ensuite, quels sont les principaux facteurs de la spéculation dans les marchés financiers et leur hiérarchie? Le risque de spéculation peut-il être mesuré objectivement? Les principes théoriques de la finance islamique permettent-ils de prévenir ces facteurs? Et enfin, les pratiques actuelles, normes, opérations, permettent-elles également de prévenir ces facteurs? Notre hypothèse principale est que les marchés financiers islamiques sont immunisés face aux facteurs de la spéculation. Les hypothèses secondaires sont l'économie islamique est un système, le risque de spéculation est un phénomène pouvant être mesuré, les facteurs spéculatifs peuvent être regroupés en catégories, le cadre théorique de la finance islamique prévient les dérives spéculatives, et enfin certains cadres, normes, pratiques ou produits des marchés financiers islamiques présentent des caractéristiques favorisant la spéculation. Troisième grande partie, c'est la revue littéraire et les analyses qui ont suivi. Tout d'abord, nous avons cherché à cadrer épistémologiquement nos deux principaux concepts, la finance islamique et la spéculation. En termes de finance islamique, on s'est demandé est-ce que le SEI, le système économique islamique, est un système? Nous sommes passés par
une revue des différentes définitions pour comprendre qu'un système, en fait, c'est plus que la somme des parties, comme le disait Aristote. C'est un ensemble de doctrines, de théories, de frontières, d'éléments interagissant avec des principes et des règles, des composantes et une interdépendance. Est-ce que le système économique islamique dispose de tout cela ? Donc, quand on analyse le SEI, nous voyons que nous avons un certain nombre de principes et de fondements, comme la règle al-kharaj bid-daman, un certain nombre de contrats, un certain nombre d'axiomes, comme l'axiome d'abondance, contrairement au principe de l'axiome de rareté dans l'économie politique, le principe de licéité par défaut et un certain nombre de théories. Il est encadré par des frontières qui sont les interdits tirés du Coran et des hadiths authentiques. Parmi les principales fonctions et objectifs, nous avons les cinq universaux relevés par Ibn Ashur, que sont la libre circulation, la transparence, la propriété privée, la liberté de disposer de ses richesses et la justice dans l'utilisation. Il a un cadre et un environnement avec plusieurs procédés, un certain nombre de théories qui ont analysé par exemple les cycles. Bien avant Kitchin, Juglar et Kondratiev, nous avons Miskaweh, Tortoshi, Ibn Khaldun dans une analyse très pointue des cycles. Une analyse de l'inflation avec Ibn Taymiyyah, Tilimsani, de la monnaie avec Al-Ghazali, Al-Maqrizi, entre autres analyses de la fiscalité, du rôle de l'État avec le Mawardi, etc. Et nous avons un certain nombre de composantes dans ce système que sont le Musharaka, le Mudaraba, un certain nombre de modes de financement, un certain nombre d'institutions comme Zakat, l'Waqf, Takaful, etc., que nous allons récapituler dans un schéma récapitulatif global. Donc nous constatons que l'ensemble de ces éléments interagissent dans un cadre qui est contrôlé par ce qu'on appelle en finance islamique les comités sharia, qui sont chargés de la régulation. Donc nous avons un système qui s'appuie sur sept piliers. Le premier, c'est le partage des profits et des pertes. Ensuite, l'interdiction des intérêts, l'éthique plutôt, l'interdiction du maïsir, l'obligation d'opérer dans des actifs réels et non virtuels, l'interdiction du rarar et l'obligation d'opérer sur des actifs licites. Nous avons six composantes. La première, c'est la zakat, c'est toute une institution en fait. Ensuite, nous avons l'Waqf, qui est une institution de redistribution, contrairement à la zakat qui est intragénérationnelle. Le Waqf est intergénérationnel. Le Takaful, qui est le versant islamique de l'assurance classique. La microfinance et les institutions financières islamiques qu'on appelle communément les banques islamiques. Et enfin, les marchés financiers qui concernent justement cette recherche. Nous avons également, dans le cadre de cette recherche de conceptualisation, essayé de comprendre la cohérence interne, parce qu'on a vu que dans un système, l'interaction des éléments doit être cohérente. Cette cohérence, nous l'avons déclinée dans une esquisse, parce qu'on ne va pas dire une théorie, mais une esquisse de théorie du risque dans le système économique islamique. Nous avons répertorié trois principaux facteurs de production, capital, travail et risque, qui baignent dans le facteur temps. Prenons un exemple. Si nous voyons l'interaction du cercle capital avec le risque, c'est-à-dire quelqu'un qui veut investir son capital mais sans travailler. Donc il a le choix entre plusieurs types de risques, soit un risque modéré, et donc il va investir dans l'immobilier, ça donne les loyers, soit un risque un peu plus important, ça va donner les pourcentages de profit avec le capital risque, soit un risque carrément illicite, et donc aller au casino. Et là, on tombe dans la sphère de l'illicite. Également, donc, nous avons d'autres interactions que nous n'avons pas le temps ici de détailler, mais qui donnent une certaine vision de la théorie du risque en finance islamique que nous avons tirée d'analyses plutôt littéraires et de plusieurs pages d'analyse qui ne sont pas schématisées justement. Ensuite, concernant la spéculation, c'est un concept qui est toujours aussi ambigu. Il se compose d'une dizaine d'éléments, de composantes, et nous avons sept grandes théories explicatives de la spéculation. L'obstacle que nous avons trouvé avec les théories, c'est qu'elles ne sont pas sous le même dénominateur. C'est-à-dire que chaque théorie évoque l'aspect qui l'arrange pour pouvoir justifier ses positions, des fois idéologiques. Donc ce que nous avons fait, à la lecture d'une quarantaine d'articles et d'ouvrages dédiés à la spéculation, en général en anglais, des revues américaines, c'est de mettre ces théories sous un même dénominateur, pour pouvoir justement les comparer. Ça a donné un tableau assez fastidieux, qui regroupe à gauche les différentes postures théoriques. Nous avons la posture classique keynésienne de Kaldor, néoclassique, syncrétique, néo-keynésienne, et la théorie du déplacement de Kindelberger. Et en haut, les différentes composantes. Si nous prenons un exemple, nous souhaitons savoir, par exemple, quelle est la position des néoclassiques, qu'est-ce qu'ils pensent de l'impact de la spéculation sur le marché. Ce graphe nous permet de voir que pour eux, la spéculation, elle stabilise le marché, elle apporte de la liquidité au marché, elle permet de découvrir les prix adéquats, elle permet de réduire les coûts de transaction et elle permet de dynamiser le marché. Donc dans chaque case, nous pouvons identifier la posture théorique par rapport à chaque composante de la spéculation. Par la suite, nous sommes passés à la, à la, à
une analyse qui a permis l'esquisse d'une définition. Pourquoi l'esquisse d'une définition? Parce que la référence dans le domaine, c'est Kaldor. Et Kaldor, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la spéculation, c'est l'achat ou la vente d'un bien en vue de rachat ou de revente. Le gros problème qu'on a eu avec cette définition, c'est le « en vue de ». Parce que le « en vue de », c'est quoi? C'est l'intention de l'opérateur. Or, pour un observateur extérieur, on ne connaît pas l'intention de l'opérateur. Donc, pour un régulateur, pour un profane, on ne sait pas est-ce que l'opérateur est un spéculateur ou un investisseur. Donc, toute la difficulté a été de dresser des paramètres distinctifs de la spéculation par rapport au commerce et à l'investissement sans connaître l'intention de l'opérateur. Et donc, ça a donné une longue définition, comme pour celle de Bourdieu dans l'Habitus. C'est une activité financière sans impact direct sur le champ productif, intervenant généralement dans un contexte de volatilité, d'incertitude et d'asymétrie d'informations. La spéculation consiste à parier en anticipant souvent à l'aide d'outils d'analyse statistique et mathématiques probabilistes sur l'évolution psychologique et les décisions futures des opérateurs du marché pour tirer profit des variations de cours, puis par des transactions de court terme, le plus souvent à l'aide de produits dérivés. Non concernés par l'utilité physique et les rendements cycliques du sous-jacent négocié est bien plus risqué que l'investissement et le commerce réel, la spéculation a une plus grande probabilité d'échec. Elle aboutit généralement à l'annulation, compensation, liquidation de la transaction initiale, et au transfert des richesses en partie entre amateurs et initiés dans un jeu à somme nulle, sans création de valeur ajoutée économique réelle, ayant de nombreuses similitudes avec les jeux et les paris, engendrant quelques gagnants et un certain nombre de perdants. Nous avons ici 19 paramètres distinctifs qui distinguent la spéculation de l'investissement et du commerce. Ça nous a permis aussi de dresser un arbre de la spéculation. Pourquoi? Parce que dans la définition de Kaldor et dans beaucoup de définitions néoclassiques, on ne distingue pas l'arbitrage de la spéculation. Or, l'arbitrage intervient en environnement certain, dans l'étape 2 du marché, c'est-à-dire une fois que l'information est révélée, alors que la spéculation intervient en environnement incertain, c'est-à-dire à l'étape 1 du marché, quand on n'a pas l'information. Donc, si nous ne connaissons pas l'intention de l'opérateur et que nous ne connaissons pas les informations dans le marché, il est quand même possible de distinguer plus ou moins les activités spéculatives de celles du commerce. Prenons un exemple, ou de l'investissement. Prenons un exemple. Un opérateur qui est dans le marché des matières premières, qui est un opérateur financier, qui n'opère pas en son nom propre mais au nom d'un agent de l'économie réelle, et qui a des expositions non proportionnelles avec les matières premières qu'il a à couvrir. Nous en déduisons que le différentiel de ces expositions est une activité spéculative. Parce que s'il n'était pas spéculateur, il aurait acheté des calls juste assez pour que son agent, son commanditaire, puisse acheter la marchandise qu'il souhaite, pas plus, pour faire d'autres profits. Cet arbre est néanmoins, dans notre thèse, cet arbre est en annexe. Pourquoi? Parce qu'il donne des choix tranchés, spéculation ou non-spéculation. Or, toute la recherche a montré qu'il est difficile de dire c'est de la spéculation, c'est pas de la spéculation, mais nous pouvons dire c'est plus de la spéculation et c'est moins de la spéculation. Ensuite, nous avons fait une revue de la théorie, une revue de littérature de la théorie, pour aboutir à 24 facteurs de la spéculation. Il y a 24 éléments dans les marchés financiers qui favorisent la spéculation. À titre d'exemple, pour ne pas trop s'allonger, nous avons la prise de risque excessive citée par Salan, Jean Tirole, prix Nobel de l'économie. Le spéculateur est moins averse au risque. Nous avons à titre d'exemple également dans les facteurs exogènes l'asymétrie d'information, l'opacité et les fausses rumeurs citées par Friedman, Grossman et Stiglitz, prix Nobel, ou encore Jean Tirole, prix Nobel 2014. Ensuite, nous avons, dans l'étude documentaire des pratiques, nous avons relevé par exemple également 24 facteurs, exemple les ventes futures, dont 98% ne sont pas exercées à terme. Ensuite, nous avons, au niveau des facteurs exogènes, par exemple la cotation continue que Maurice Allais avait appelé à suspendre et à revenir au fixing, qui représente aujourd'hui, avec le trading à haute fréquence des robots de l'intelligence artificielle, plus de 90% des opérations de marché dans les pays industrialisés. Notre troisième analyse a consisté à confronter les principes théoriques de la finance islamique aux facteurs de la spéculation. Et nous nous sommes rendus compte que l'ensemble de ces 24 facteurs de la spéculation trouvaient dans les principes théoriques de la finance islamique un élément qui permet de le prévenir. À titre d'exemple, le spoofing est un facteur parmi 24, c'est le fait d'annuler les enchères juste avant l'exécution de l'ordre. En finance islamique, le najesh, c'est-à-dire les fausses enchères, sont prohibées. Un autre exemple, le levier,
qui consiste à rémunérer le capital ex ante avec les taux d'intérêt et à accroître l'exposition à travers l'achat à la marge. En finance islamique, la rémunération du capital est ex post, c'est-à-dire après l'opération de production. Donc on ne peut pas connaître la productivité du capital à 5% ou à 4% avant l'opération de production. On partage les profits après l'opération de production. Nos principaux résultats et conclusions. Tout d'abord, notre baromètre d'évaluation du risque spéculatif, qui est le principal outil issu de cette recherche, il se décline comme suit. Il comporte 24 facteurs. Il comporte, alors, tout d'abord, la pondération du facteur. Suite à l'enquête empirique, nous allons détailler cela. Ensuite, le facteur de la spéculation. Ensuite, les ratios de mesure proposés pour mesurer ce facteur. Ensuite, la pondération des ratios de mesure, parce que dans certains facteurs, il y a plusieurs indicateurs de mesure pour mesurer ce facteur. Donc ici, nous avons un baromètre d'évaluation du risque spéculatif sans connaître l'intention de l'opérateur, pour un régulateur par exemple ou un observateur. Alors, notre enquête elle a concerné environ 3500 personnes contactées à trois reprises ou plus, qui sont en général des académiciens ou des opérateurs dans des marchés financiers de pays industrialisés. Le dépouillement a permis d'avoir à peu près 109 répondants sur 3500, ce qui donne un taux de réponse de 3%. Ça nous a permis de hiérarchiser les facteurs de la spéculation parce qu'en fait, la revue théorique et l'étude des pratiques a permis de relever les facteurs, mais n'a pas permis de savoir quel est le plus fort et le moins fort, celui qui contribue le plus à la spéculation. Ensuite, nous avons construit une matrice de corrélation pour aboutir à un certain nombre de corrélations entre facteurs qui nous ont permis, tout d'abord l'enquête a permis de valider les 24 facteurs. Parce que quand on a posé les questions au public, ils ont tous noté ces facteurs au-dessus de 3, sauf un qui était à 2,98 et 3 c'était contribue assez à la spéculation. L'enquête empirique a aussi permis de valider une deuxième chose, c'est le regroupement de facteurs en deux catégories, endogènes et exogènes. Ensuite, il fallait confronter à la finance islamique, donc nous avions d'abord une analyse des produits issus de l'ingénierie financière islamique à la lumière de nos paramètres distinctifs de la spéculation, les 19 paramètres. Nous avons analysé des produits comme les swaps de profit, les swaps de profit IPRS qui sont autorisés en Malaisie, le salam organisé, le salam à quantité variable, la murajaha, le tawarruq organisé, qui sont des produits un peu plus complexes que ceux de base qu'on connaît dans la finance islamique et qui sont controversés entre les différentes juridictions. Et nous voyons qu'ils incorporent la majorité des critères distinctifs de la spéculation. Nous avons analysé les bilans, les communications financières d'une dizaine d'institutions financières islamiques dans 4 régions. Nous avons comparé ces bilans pour en déduire que l'exposition, en réalité, nous avons constaté dans un premier temps que la finance islamique prévient théoriquement ces facteurs, mais que tous ces éléments sont à nuancer par les pratiques. Mais que ces pratiques elles-mêmes sont très relatives. C'est-à-dire, pour l'instant, c'est très embryonnaire. Les produits dérivés dans les banques islamiques, etc., c'est encore très, très embryonnaire, parce que d'abord, il y a une différence entre juridictions, et ensuite, c'est surtout la Malaisie qui autorise ce genre d'éléments. Ensuite, nous avons projeté notre baromètre sur quatre cadres majeurs. D'abord, les normes internationales AOIFI, qui sont un corpus d'à peu près 1200 pages en arabe, qui sont la référence des normes en finance islamique dans le monde. Et nous avons constaté, malheureusement, que près de 12 facteurs de la spéculation ne sont pas du tout adressés par les normes AOIFI. Plus que ça, 4 facteurs de la spéculation sont aggravés par certaines dispositions des normes AOIFI, et à peu près 8 facteurs sont cadrés par les normes AOIFI. Nous avons ensuite analysé le corpus de l'IFSB, Islamic Financial Services Board, qui est un corpus d'à peu près aussi 1000 pages techniques de se composant de 20 normes et notes de cadrage émises par l'IFSB. Ce corpus également, on a à peu près une douzaine de facteurs qui ne sont pas cadrés. Pas toujours les mêmes que la Wi-Fi d'ailleurs, ce qui montre que c'est intéressant de rendre complémentaires ces deux cadres. 2 facteurs sont accentués et ceux qui sont en gris clair, ce sont les facteurs qui sont vraiment cadré par ces normes. Nous avons ensuite analysé le marché soudanais. Alors, le marché soudanais est un marché un peu spécial parce qu'il subit des problèmes géopolitiques et qu'il n'a jamais pu émerger. Pourtant, quand nous nous sommes plongés en 2017 dans le corpus juridique de la bourse soudanaise et de la banque centrale soudanaise, nous avons trouvé un corpus juridique formidable, mais qui ne trouve pas le terrain pour s'exprimer. C'est un corpus juridique d'à peu près 500 pages en arabe et nous avons vu qu'à peu près
une quinzaine de facteurs sont bien cadrés par le corpus de, du Soudan, et seul un facteur est accentué par les normes soudanaises. Ce qui nous a permis de conclure que le marché soudanais actuellement, ou plutôt les normes soudanaises, sont les plus résilientes au risque de spéculation. Nous avons analysé le marché qui est aux antipodes du Soudan, c'est la Malaisie. C'est le marché le plus laxiste en finance islamique, et nous avons constaté qu'aucun des facteurs n'est prévenu, mis à part un. Plus que cela, à peu près une dizaine de facteurs sont aggravés par les normes malaisiennes, vu qu'elles autorisent la vente à découvert, des montages pour autoriser la vente à découvert, les ventes futures, et ainsi de suite. Ensuite, nous sommes passés à notre seconde enquête qui était dédiée aux opérateurs des marchés financiers islamiques, si après juste un dépouillement, une idée du dépouillement. Puis nous avons projeté les résultats sur notre baromètre également pour constater que pratiquement tous les facteurs de la spéculation peuvent se manifester dans les pratiques actuelles des marchés financiers islamiques. Et ça, c'est les opérateurs qui le disent, les 24 facteurs se manifestent. Un seul bloc est plutôt bien cadré, c'est celui des transactions, assurance, vente à découvert, dérivés, complexité, spoofing. Ces éléments-là ne se manifestent pas et ne vont pas se manifester dans un avenir proche dans les marchés financiers islamiques. Mais pour le reste, vous voyez qu'à peu près la majorité des éléments sont en gris foncé, donc peuvent se manifester. Nous avons ensuite essayé de faire un récapitulatif global de toutes ces projections à travers un baromètre global, synthétique et comparatif. En toute première colonne, vous avez le type idéal de Weber, dans notre cas le marché financier islamique idéal, qui est tout en gris clair, c'est-à-dire que l'ensemble des éléments sont cadrés par les principes de la finance islamique. Et ensuite, nous avons exposé nos différentes analyses avec les trois dimensions qui sont le gris clair, le gris et le gris foncé, avec quelques remarques, pour voir un petit peu quels sont les éléments qui se manifestent dans tel ou tel cadre. Les principales contributions de notre recherche, nous avons, d'un point de vue théorique et académique, participé à la formalisation globale du système économique islamique. Nous avons décliné la théorie du risque en un modèle conceptuel, esquissé une définition de la spéculation, dressé un arbre distinctif de la spéculation, regroupé les théories analytiques de la spéculation sous un dénominateur commun, inventorié les différents facteurs de la spéculation et hiérarchisé selon leur contribution, et classé ces facteurs en groupes homogènes. Niveau opérationnel, notre recherche a permis de construire un baromètre multifactoriel du risque spéculatif, avec la proposition d'indicateurs de mesure de ce risque, analyser une vingtaine de produits issus de l'ingénierie financière islamique, étudier les bilans d'une dizaine d'institutions financières islamiques sous un angle assez novateur, qui est l'angle de la spéculation, étudier les normes de la WIFI et de l'IFSB sous le même angle, qui est celui de la spéculation, étudier les cadres réglementaires soudanais et malaisiens, et avec un baromètre récapitulatif comparant les 8 axes d'études, et enfin des pistes d'amélioration préventive pour des marchés financiers islamiques embryonnaires. Nos conclusions intermédiaires, tout d'abord, notre hypothèse principale est théoriquement corroborée, c'est-à-dire que les facteurs ne peuvent pas se manifester dans un marché financier islamique idéal théorique. Le syndrome de réplication est omniprésent, c'est-à-dire qu'on fait beaucoup de copier-coller sur les marchés conventionnels, toujours aujourd'hui, et ces produits incorporent naturellement les critères distinctifs des produits spéculatifs. Nous avons une grande latitude laissée par les normes IFSB et AOIFI aux facteurs de la spéculation. Et l'enquête empirique a permis de confirmer la pertinence des 24 facteurs relevés par l'étude théorique et l'étude documentaire pour en plus les classer et les regrouper. Notre conclusion fondamentale, c'est que les pratiques actuelles des marchés financiers islamiques les exposent au risque de spéculation, bien que pour l'instant, en l'état actuel, elles sont très restreintes. L'hypothèse d'immunité des marchés financiers islamiques, elle est falsifiée. Elle n'est valable qu'en théorie, dans un cadre idéal typique, en supposant l'ensemble des principes déclinés en normes claires. En pratique, cette hypothèse est remise en cause, vu la possibilité de voir l'ensemble des facteurs se manifester. Notre posture hypothético-déductive falsificatrice, vu cette posture, nous pouvons acter de la falsification de l'hypothèse d'immunité des pratiques actuelles des marchés financiers islamiques à la spéculation, contrairement à ce qu'on retrouve dans beaucoup de livres. Et d'un point de vue prospectif, bien que faible actuellement, l'exposition des marchés financiers islamiques aux 24 facteurs de la spéculation est très probable. Quelques limites de la recherche, d'abord les indicateurs de mesure, qui ne sont pas adossés à une enquête empirique, contrairement aux facteurs,
sa nécessité de faire une troisième enquête, et ça dépassait un petit peu le cadre de la recherche et des possibilités d'ailleurs. La collecte des données adéquates sur les marchés financiers islamiques s'est heurtée au manque de maturité des marchés financiers islamiques. C'est pour ça que la recherche est plutôt prospective. Et l'hétérogénéité des cadres réglementaires des marchés financiers islamiques. En termes de pistes de recherche, l'utilisation chiffrée du baromètre peut être dans le futur, une fois que les marchés financiers islamiques seront structurés et un peu plus matures. Une enquête validant les indicateurs de mesure comme on l'a fait pour les facteurs de la spéculation. Et quelques améliorations des cadres et de votre écoute. Merci beaucoup.